c'est Néavi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. Aujourd'hui, on continue l'aventure Règne de Glace. On va chercher un maximum de cartes grâce à cette magnifique display. Aujourd'hui, on va monter en puissance. On va aller chercher de la secrète, de la gold, car on sait que dans les displays, voilà, il y a des quotas. Et en principe, c'est là-dedans qu'on a un peu plus de chances de choper ces cartes-là. Donc tout simplement, on va se retrouver tout de suite pour cette ouverture. Mais avant tout, je vais vous demander un maximum de soutien. On pète la barre des pouces bleus, comme d'hab. On lâche l'abonnement pour ceux qui ne me suivent pas encore. Et donnez votre avis en commentaire. Est-ce que cette ouverture vous a plu? Qu'est-ce que vous pensez de cette display? Allez les gars, à tout de suite. C'est parti les gars, on rentre directement dans le vif du sujet. Je suis vraiment heureux d'ouvrir cette display. Voilà, c'est un rêve, hein, tout simplement. Hein. C'est une passion qui se concrétise. Donc voilà, on va déceler tout ça ensemble. Donc ça, c'est OK, mais je tenais vraiment à la déceler devant vous. Ce qui permet de prouver qu'il n'y a aucune triche. Donc ça, c'est OK. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment très beau. Donc là, aujourd'hui, on va s'en prendre 12. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc voilà les 12 premiers boosters. Donc en tout, ça va nous faire donc 3 parties de vidéo pour ouvrir cette display entièrement. Je suis vraiment très excité. Ça commence, c'est parti donc avec le premier booster. Premier code, c'est cadeau. Et puis on y va. Allez, let's go! Premier booster donc avec une énergie psy. Casque costaud. Gant dévastateur. Ah, je crois que je les avais pas ceux-là. Kirlia. Obali. Krabagar. Gringolem, Porygon, Whistempo, Cube Canaille en reverse. Très bien. Et donc la première. OK les gars, on commence directement avec une petite V je pense. Allez, on y va donc avec Celebi V. Donc un de mes Pokémon préférés. Je ne l'avais pas. Ça fait vraiment grave plaisir. Enfin, un petit Celebi Règne de Glace dans ma collection. Ah là là, ça fait vraiment plaisir. Donc, on commence directement avec du lourd. Et puis, on enchaîne avec le deuxième booster. Ah, c'est vraiment ce que je voulais commencer directement avec au moins une ultra. Et bah, c'est fait. Voilà, le petit code. Et puis, on y va. Allez, deuxième booster avec une petite énergie métal. Persila. Confort, Sentier Blanche Sim, Krabagar, Whistempo, Flambino, Galekid, Stalgamin, Smogogo en reverse et derrière, donc Galam en rare. Donc ça doit être plutôt rare parce que je suis à une quarantaine de boosters, je l'ai toujours pas eu celui-là. Ok, on enchaîne et le code c'est cadeau. Ok, bah dites-moi d'ailleurs vous si au niveau des displays si vous en avez ouvert et comment ça s'est passé pour vous. J'ai regardé quelques vidéos et il y avait quand même des bons tirages, hein, de la gold, de la secrète. Donc on espère égaler tout cela aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif d'avoir des cartes qu'on peut trouver nulle part ailleurs. On peut le trouver ailleurs que dans un display, mais on a quand même un peu plus de chance. Donc Stalgamin en reverse et derrière. Ah, ouais, c'est une holo. Ça se voyait puisque toute la carte est un peu holo, on dirait. En tout cas, il y a des petits reflets. Ok, donc Shaymin, je l'ai déjà. Allez, on a bien commencé. Faut continuer maintenant sur cette lancée avec donc des cartes magnifiques. Allez, Énergie Ténèbres, Badabouin, Dylan, Plastron de Galar, Morphée aux formes de pluie, Pyronille, Larmé Léon. J'adore cette illustration. Vraiment, ça envoie du lourd. Derrière cela, Coxy, Rongourmand, très bien. Rouleau perçant, point final en reverse. Ça brille comme il faut. Et derrière, donc, une simple rare, Sucraine. Ok. Bon, pour le moment, cette display porte un peu le suspense, tout simplement. Hein. On sait que dans les displays, il y a un quota, donc... Si on n'a pas les cartes extraordinaires maintenant, on les aura après. En tout cas, je l'espère. Voilà, le petit code. Et on y va. Allez, énergie, plante, Persila, Coconfort, Sentier Blanchim, Larmé Léon, Sépia Top, Rongourmand, Flambino, Gringolem, Porygon en reverse, que j'ai eu déjà deux, voire trois fois. Et derrière... Aïe, 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 Farampe en rare.
on va pas se plaindre, on n'a pas encore terminé, on est à peu près à la moitié de cette ouverture, donc l'espoir est encore présent. Et puis de toute façon, on aura encore deux petites ouvertures concernant cette display, donc on va pas, voilà, on va être patient, et puis on va se donner un peu le temps tout simplement d'avoir la suite des cartes. Alors, énergie électrique, Narcisse, Bastien, Scobolide, Poulpaf, Wistempo, Farfuret, Aspico, Canartichaud de Galard, Badabouin en reverse, magnifique. Je crois que c'est une autre illustration en plus. Il y en a deux. Et derrière, on y est. Je ne sais pas si vous voyez juste ici, là, sur le côté là, ça brille. Donc normalement, c'est de la VMAX. On va regarder. On va voir ça ensemble. 90 sur 198, j'espère que je ne l'ai pas. Et c'est du Naconda VMAX. Magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut. De la belle VMAX. Alors, c'est pas mon Pokémon préféré, hein, comme vous le savez, je n'aime pas les serpents. Mais on va pas refuser une petite VMAX. Surtout qu'on l'a en V. Donc maintenant, on a son grand frère, la VMAX. Très bien. Ok, donc pour le moment, voilà, une petite VMAX. On y va tranquillement. On s'amuse. On découvre encore un peu la série ensemble. Et maintenant, on a débloqué le compteur des V et des VMAX. On cherche de la secret. On cherche de la gold. Allez, énergie point. Énergie combat. Badabouin. Dylan. Plastron de Galar. Smogo. Cadoiseau. Canartichaud de Galar. Porygon. Ensuite, Scarino. Pivonia en reverse. Très bien. Très belle carte avec un fond magnifique. Et derrière, simple rare. Smogogo de Galar. Ok. Allez, let's go. Le petit code. Et on y retourne donc avec une énergie feu. Apia. Arrosar. Lona. Vivaldin. Cadoiseau. Pyronille, Watt, ensuite Scarino, Tocopisco en rare reverse, magnifique, et derrière, Branette en rare. Ok, bon, un peu déçu là pour le moment, honnêtement, je suis un peu déçu, mais bon, on va pas baisser les bras. Encore de très belles cartes qui nous attendent. Le petit code. Donc avec une petite énergie psy, Lona, Bastien, Scobolide, Sucroquin, Farfuret, Blizzy, Zébibron, Fantominus, Morpheo, Forme solaire, et derrière, yes, yes, allez, ça c'est de la full art, on le voit, qu'est-ce que ça va être? Attention. On va y aller tranquillement. Alors, c'est la 160 sur 198. C'est un peu vert. Est-ce que ce serait Celebi VMAX? Je sais pas. Attendez, on va voir. Celebi V en alternative. Magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est de la carte comme ça, de la Celebi V Full Art. Oh là là, alternative, c'est vraiment... Voilà, c'est ce que je veux, moi. C'est vraiment les Celebi que je voulais. Et là, j'en ai un en V que je n'avais pas encore. Et là, j'ai l'alternative. Mais que demander de mieux, là, je suis vraiment content avec ma copine. On va kiffer. On va se la regarder pendant un petit moment, cette carte, je vous le dis. Très bien. Donc là, voilà. C'est ça qui remonte la vidéo. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, vous devez vous dire, ah, ça y est, on commence à rentrer dans du lourd. Et oui, les gars, faut être patient. C'est comme ça avec les cartes Pokémon. Tout simplement. Allez, c'est parti maintenant qu'on est sur une bonne lancée avec une énergie feu, Fogler, Docteur, Pivonia, Croquine, Coiffarel, Topiqueur, Pyronille, derrière Sepiatop également en reverse et donc une petite rare Galam que je n'avais pas eu jusque là et puis là je l'ai eu deux fois. Donc, pas si rare finalement. Très bien. Allez, c'est parti. Hop. Le petit code pour faire kiffer. Voilà. Et puis, on y retourne. Hop. Allez, en espérant que dans cette carte,
il y ait quelque chose d'extraordinaire. Énergie Psy, Gagnifuge, Crabominable, Énergie Spirale, Wish Horse, Zébibron, Quillfish, Ramolos, De Galar, Aspico, Gant Justicier que je n'avais pas et maintenant je les ai en reverse. Et derrière, une V, oui! Oui, les gars! Allez, 3, 2, 1, Dunaconda. Ok, c'est la troisième fois que je l'ai. Je n'aime pas ce Pokémon. Ça va partir sûrement dans un échange ou éventuellement dans un petit concours puisque j'avais prévu un petit concours pour les 500 abonnés. Et je vous spoil un peu, mais il y aura sûrement voilà, un lot avec les doubles que j'ai de règne de glace. Voilà, donc ça, on va mettre derrière. Voilà, pas très belle. Nickel, ok. Dunaconda, finalement, c'est la carte que je pense qui va me suivre juste ici. Alors, dans mes ouvertures, pour le moment, j'ai pas trop de doubles, etc. Mais là, lui, j'ai dit une fois que c'était ma phobie, que j'aimais pas ce Pokémon, il a décidé de me suivre un peu partout. Hein. On a compris. Je suis sa proie, là, Dunaconda. Donc, on y va. Énergie métal, l'énergie, Sophora, Spectrum, Morpheo, enfin, Blizzard, Fantominus, il y a toutes les cartes hop, qui se pètent la gueule. Fantominus, Wishurst, Bibichute, Larméléon, Gagnifuge et Aidin en rare. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on a fait la première partie de cette display. Allez, let's go les gars, c'est la petite récap. Donc, je vous rappelle qu'on a eu un petit Celebi V alternatif, vraiment magnifique pour moi. C'est la carte de cette ouverture, c'est la carte que je voulais. Je veux tous les Celebi. Donc il y a Celebi V, V Max. En alternatif comme ça et également en fantôme, en arc-en-ciel. Donc vraiment, je suis ravi de l'avoir. Voilà, donc petite Celebi Full Art, la carte que j'apprécie le plus pour aujourd'hui. Dunaconda VMAX, voilà, qui est quand même sympa. Ça se prend, on kiffe. Voilà, Celebi V, on adore. Voilà, dans le même thème que je vous ai dit juste avant. Et donc Dunaconda V, c'est la troisième fois que je la tombe, malheureusement. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà, on s'est fait kiffer avec cette première partie de display. Et bientôt, on se retrouvera donc pour la deuxième partie et une troisième. On fera 12, 12, 12 boosters à chaque fois. Entre-temps, il y aura des petites vidéos qui vont sortir. Une prochaine battle qui va arriver avec ma copine. Donc vous verrez ça prochainement. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle ouverture. Je compte sur vous donc pour un maximum de likes. Les abonnements pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et donnez votre avis également sur cette ouverture, sur cette première partie de display. Vous en faites pas. Dans la suite, je pense qu'il y aura des grosses, grosses cartes. Allez les gars, à plus.